Bonjour tout le monde, c'est l'heure du face-à-face de juillet 2011. En juillet 2010, je vous avais présenté, en fait j'ai mis sur le web mon vidéo de perte de poids qui était à l'époque de 75 livres. J'ai perdu un autre 25 livres par la suite, mais le 75 livres en 6 mois a été ce qui a tout lancé pour moi. Là où j'ai décidé que j'allais aider les autres à faire de même. Cette décision-là a été prise à cause de la réaction des gens par rapport à mon vidéo. Ça a motivé beaucoup de monde, le vidéo et la musique qu'il y avait dedans, parce que j'ai reçu tellement de courriels pour me demander c'était quoi la chanson qui était dans mon vidéo. S'il y en a qui se le demandent encore, c'est Marching On de One Republic. C'est une chanson que moi j'avais entendue dans un épisode de Biggest Loser, qui a été utilisée d'ailleurs dans les 3 dernières saisons de Biggest Loser. Et quand j'entendais la chanson, j'avais les images de ce que j'avais vu dans Biggest Loser, de ce qui se passait durant que la chanson jouait. Donc j'avais ajouté ça moi dans mes... dans ma musique pour bouger, ma musique pour courir, entre autres. J'étais super content de savoir que mon vidéo motivait les gens. Ça doit être encore le cas parce que les derniers mois ont été assez incroyables. Il y a de plus en plus de visionnements du vidéo. On parle de 20-25 visionnements par jour, certains jours dans les dernières semaines. La vidéo est rendue à 8000, presque 500 visionnements. 2000 ou 1000, presque 2000 je pense pour la version anglaise. C'est incroyable, je m'attendais pas vraiment à ça. Moi dans les vidéos je suis allé chercher beaucoup de motivation. Les images c'est quelque chose de fort, la musique c'est quelque chose de fort. Je vais donc vous parler de quelques-uns des vidéos qui moi me motivent à fond. Puis je vais vous donner les liens pour aller regarder ces vidéos-là. Le premier dont je veux vous parler, c'est Derek Redman. Derek Redman, c'est un coureur spécialiste de 400 mètres, un Britannique, qui participait aux Jeux olympiques de Barcelone en 92. Dans le cas de Redman, il avait une historique de blessures, mais les compétitions pré-Barcelone avaient très bien été pour lui. Les gens le voyaient comme un possible gagnant, ou du moins un possible médaillé à Barcelone. Il arrive aux 400 mètres. Il part en trombe. À mi-chemin, il se déchire un tendon dans la jambe droite. Il s'effondre au sol. L'équipe médicale arrive. Il les repousse. Il se relève. Il décide de continuer sur une jambe. Il savait qu'il ne pouvait pas gagner. Quand il s'est relevé, les autres coureurs avaient déjà passé l'arrivée. Dans sa tête, il voulait terminer la course. Il s'est relevé. Il a titubé sur une jambe pendant environ 100 mètres. Son père est sauté des estrades, a tassé la sécurité, est allé le rejoindre. Il l'a pris sous son bras et a fini la course avec lui. C'est une image incroyable à regarder. C'est la force de caractère d'un homme qui veut finir sa course. C'est la puissance de l'amour d'un père qui veut être là pour son fils. C'est une motivation incroyable. Une autre histoire qui, moi, me motive à fond. Et quand j'ai vu le vidéo, en fait, moi, je regarde souvent deux vidéos de la même course. C'est de Heather Donnellan. Dans un de ces vidéos-là, on a la puissance de la foule qui réalise ce qui est en train de se passer. Et dans l'autre, on a une musique qui est très bonne et des commentaires très touchants. Donc, je regarde souvent les deux parce que c'est pas le même feeling de regarder les deux. Sauf qu'à la fin, tout, c'est le même principe. Ça se passe en 2008, pendant une demi-finale d'un 600 mètres d'athlétisme intérieur. En athlétisme intérieur, souvent des pistes de 200 mètres, donc 600 mètres, c'est 3 tours. Heather Donnellan court chez elle, au Minnesota. C'est une grosse compétition importante, universitaire américaine. La course part. À 400 mètres de fait, c'est-à-dire qu'il reste un tour à faire, Heather Donnellan tombe. Les autres continuent, évidemment.
Elle se relève. Elle part en trombe. Et on sent, quand elle repart, qu'elle court plus vite que les autres. Alors qu'elle vient de tomber, de se renfler le visage, de tomber sur les genoux. Et on sent qu'il est en train de se passer quelque chose d'incroyable. Elle rattrape tout le monde, arrive nez à nez avec celle qui est maintenant première, et finalement gagne la course par 2/100, je crois. Et ce vidéo-là est aussi incroyable dans le sens où il ne parle pas que d'une course, il parle de la vie. Il parle de l'importance de se relever. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. D'ailleurs, un au mois de mai, où j'avais été déçu de revenir d'une course où j'avais fait un 5 km alors que je devais faire 18. L'importance de se relever, c'est tout. Parce que vous tombez. Tout le monde tombe un jour. C'est impossible d'avoir une vie parfaite où il n'y arrive aucun embûche, où il n'y arrive aucun problème. C'est impossible. Là où c'est important, c'est de se relever et de continuer. Finalement, un autre des vidéos qui, moi, en fait, il y a plusieurs vidéos là-dessus parce qu'ils sont devenus des héros. Puis c'est compréhensible pourquoi. C'est l'histoire de Dick et Rick Hoyt, qu'on appelle aussi Team Hoyt. Rick Hoyt, le fils, est né en 62 avec un handicap majeur. Tétraplégique, si je me souviens bien. Pas de moyen de communication par la parole, peut pas parler. Les médecins avaient dit à ses parents qu'il devrait le placer en institution, qu'il serait légume toute sa vie. Les parents ont décidé que c'est pas ça qui allait arriver. Ils l'ont ramené à la maison. Eux sentaient, ont senti rapidement, alors qu'il grandissait, que quand ils parlaient à leur fils comprenait. Ils ont eu raison, puisque leur fils est allé à l'école secondaire, est allé au collège, vit maintenant en appartement seul, communique grâce à un ordinateur, réussit à se déplacer grâce à une chaise spéciale. C'est un modèle, c'est quelqu'un d'incroyable. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'à un jeune âge, il y avait une compétition d'organiser qui était un 8 km de course pour ramasser des fonds, je pense, pour les personnes handicapées. Et ils ont décidé de participer ensemble, père et fils, avec le père qui pousserait le fils dans sa chaise roulante. Et après avoir fait cette course-là, le fils de dire à son père que durant la course, il n'avait pas l'impression d'être handicapé. Et ce fut le début d'une aventure incroyable qui mena le père et le fils, maintenant, à ce jour, à faire près de 1000 compétitions. Ils ont fait presque 70 marathons, dont 29 fois le marathon de Boston. Ils ont participé à 6 Ironman. 6 Ironman. Le Ironman, là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est près de 4 km de natation, 180 km de vélo et un marathon pour finir tout ça. Durant les triathlons, le père pousse son fils. En fait, ça commence par la natation. Son fils est dans un bateau pneumatique, attaché après le père, qui nage pendant 4 km lors des Ironman. Ils font plusieurs types de triathlons, mais ils ont fait 6 Ironman, donc je vais vous parler du Ironman. Nager pendant près de 4 km en tirant son fils dans un bateau pneumatique. Quand il arrive au bout, il sort son fils du bateau. Il l'amène à la course jusqu'au vélo, l'installe dans un siège spécial devant le vélo, part en vélo, fait les 180 km au bout du vélo, débarque son fils du vélo, l'installe dans sa chaise et le pousse sur 42,2 km. Ils ont fait ça à 6 reprises à Ironman, des tonnes de triathlons, des tonnes de marathons, près de 1000 compétitions. Ils ont même, dans les années 90, si je ne me trompe pas, traversé les États-Unis d'un bout à l'autre. Une partie en course à pied, une partie à vélo. C'est une histoire incroyable. N'importe laquelle des vidéos de Team Hoyt que vous pouvez voir sur YouTube, c'est impossible que ça ne vous motive pas. Donc,
pour ceux qui ont été motivés par mon vidéo de base et qui sont encore motivés quand je fais des vidéos comme mon vidéo du marathon, entre autres, puis il y en aura d'autres, ou les autres vidéos que j'ai fait sur la route, ou même les face-à-face, il n'y a pas de mauvaise façon de se motiver. Si les images et la musique pour vous, c'est quelque chose qui fonctionne, utilisez-le au maximum. Sur ce, je vais vous laisser en vous disant, comme d'habitude, continuez de bouger. À bientôt. Bye.